Bonjour. Je vais vous parler de... Il y a un message important pour certains d'entre vous. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de l'effet cumulé. Et l'effet cumulé, en fait, c'est l'énergie qu'on accumule au fil du temps qui finit par se manifester. Supposons que tu veux perdre du poids. Et chaque jour, pendant 15 minutes, tu fais le sport. Tu te lèves, tu fais le sport, tu te lèves, tu fais le sport. Un mois, deux mois, tu ne vois rien. Soudainement, le cinquième mois ou le dixième mois, je ne suis pas experte en sport, donc du coup, c'est une analogie, que c'est un exemple que je prends. On va dire le dixième mois. Tu vois tes abdos, tu maigris soudainement, en deux semaines tu maigris. En deux semaines tu maigris. Et tes abdos se forment rapidement. Entre-temps, tu as une amie. Elle vient de temps en temps au sport. Ou bien, elle te trouve quand tu as ton neuvième mois. Je rappelle que c'est le dixième mois que tu as les abdos. Elle arrive au neuvième mois. Elle vient au sport tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais, elle fait une heure. Quand elle voit tes abdos commencent à sortir soudainement, elle croit que elle peut avoir la même chose, ou bien elle croit qu'elle a le droit à la même chose, ou bien elle te fait te sentir mal. Je reviens dans mon contexte spirituel. Beaucoup d'entre vous, ça fait au moins 6 mois que vous êtes dans le travail spirituel. Tu passes ton temps à te laver avec le sel. Tu es déjà parti à l'eau pour aller où? Tu es parti au village et lancer des poules. Et quand tu faisais tout ça, tu avais l'impression que ça empime. Bain de pipi, même ce matin, tu te lavais avec le pipi. Ça fait 4 mois. Et rien ne bouge. Tu as déjà payé la dîme depuis 4 ans. Le mois d'août, là, tu as même failli ne pas payer ta dîme. Parce que je te dis, ah, c'est même quoi cette dîme-là que tu payes chaque jour? Elle dit que tu vas payer, tes choses vont changer. C'est même quoi ça? Donc en payant, tu as payé. Ah. En tout cas, c'est le mois d'août, si je ne vois rien. Moi, ils vont m'en laisser. Parce que quand je vous dis souvent que vous serez testé, vous pensez que le test sera peut-être. On va venir avec un forum, on va te donner, on va te dire, écris, réponse A, B ou C. Après, on te pose une question. Après, on dit, coche la case. Non, c'est bien plus compliqué que ça. It's more difficult. It's more difficult than you think. Vous devez arriver à une étape où vous savez que les grosses voitures, les Bentley que vous voyez dans vos rêves, les stars que vous passez le temps à voir, vous mangez avec eux. Et quand tu manges avec eux dans le rêve, tu es sûr que mais je la connais. Je pars dans ma villa pendant qu'elle part dans sa part de villa. Je pars en première classe pendant qu'elle part aussi en première classe. Tu dois arriver à un niveau où ça devient une évidence pour toi. C'est pour ça que quand je vous parle, je vous dis toujours que si vous êtes encore au niveau où je dois venir vous convaincre, paye ta dîme. Lave-toi avec le sel, non. Si tu es encore à ce niveau-là, tu n'es pas encore là-bas.
si tu es encore au niveau où on doit venir te convaincre, tu n'es pas encore arrivé. Si tu es encore au niveau où tu parles à l'église parce que tu vois une soeur pas, le jour où elle arrête de partir, tu dis, bah attends. Et si elle a arrêté, moi, j'arrête aussi. Je vais partir à l'église, pourquoi? Tu n'es pas encore là-bas. Je suis là pour booster et aider votre foi. Mais votre foi, c'est vous qui la tenez dans vos mains. C'est vous qui tenez votre foi dans vos mains. C'était entre vous, vous regardez une de mes vidéos pendant 5 minutes. Vous me contactez. L'autre jour, j'ai une dame comme ça. Merci beaucoup pour les bons dimanches et bonjour. Bonjour et bon dimanche. J'ai une dame qui me contacte. Elle veut le lavage. Elle croit que quand elle m'a envoyé 50 euros, elle va m'appeler. Elle appelle. Après, elle m'a dit que non, envoie-moi mon argent. Non, moi je n'ai. Je dis que madame, je vous ai dit que votre travail sera fait tel jour. Vous m'appelez encore pourquoi? Non, moi je suis même plus sûre, je ne veux plus. Écoutez, si vous êtes encore au niveau où on doit vous convaincre, c'est que tu vas arriver devant, tu vas te tourner, tu vas rentrer. Jésus a dit, qui met la main dans la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne. Sortez de l'enfance là, vos trucs de bébé là. On doit toujours te convaincre. J'ai payé mes 500 francs de dîme pendant un mois, je n'ai rien vu. Ma chérie, mange ta dîme. Tu as compris? Mange ta dîme. Tu as compris, non? Désabonne-toi pas. Donc, vous êtes. Je vous ai parlé, il y avait là-bas. Si vous écoutez mes messages depuis 10 jours, j'ai dit ceci, vous êtes l'antidote. Le venin qu'on vous a injecté, vous avez anéanti le venin et vous l'avez recraché. Un matin, si vous avez regardé mes vidéos sur TikTok, mon nom sur TikTok c'est Reine Lumière. J'ai montré une feuille morte qui était ici chez moi. Et à travers cette feuille morte-là, je vous ai dit, vous êtes comme un phénix qui renaît de ses cendres. Dis-moi que c'est toi qui vas tout faire pour moi. Non, comment tu peux me dire non. C'est toi qui dois me sauver. Non, je suis là pour te dire que tu es l'antidote. Ta famille là. Tous les trucs qu'ils ont mis sur toi depuis que tu es petite là. Tout est en train de sortir. Il y a une dame qui m'a fait un message, une vidéo. Elle m'a envoyé une vidéo dégueulasse, mais bon. Elle a fait le jeûne de 3 jours. Et pendant les 3 jours, elle a bu le thé de désenvoûtement. J'ai beaucoup parlé du thé. Que le thé que vous devez donner à vos maris là. Le thé que vous devez donner à vos femmes. Et celles que vous n'avez pas acheté. N'achetez pas, vous avez compris, non? N'achetez pas, vous avez compris. N'achetez pas. Donc, elle m'a envoyé une vidéo avec de la glaire. Plein. Elle dit, maman, voilà ce qui est sorti de mon ventre. C'est vrai que j'aime pas trop voir ce genre de vidéo. Je sais pas pourquoi vous filmez vos glaives, vous m'envoyez, mais bon. Il y a des choses qu'on avait mis en vous depuis. Donc depuis que tu as 15 ans, c'est dans toi. Chaque fois ça passe à rien. Tu as le mal d'estomac au même endroit là. Ici là. Hein. C'est là. Et il y a une dame qui m'a fait même un message hier. Elle me dit. Attendez, je vais vous faire. Je vais voir si je peux faire écouter le voice. J'espère que je l'ai trouvé. Hein.
Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Que Dieu te donne tout ce que tu as besoin dans ta vie. À travers tes vidéos, je suis tombée sur TikTok. J'essaye de voir ça de temps en temps. Mais hier, avant-hier, je venais de voyage. Je me suis retrouvée dans tes vidéos. Vraiment un grand merci. Je ne vais plus négliger à me laver avec du sel. Et c'est grâce à ça que j'ai vu vraiment mes ennemis. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Et j'ai vu comment mon étoile... Je suis une très belle femme. Et mon étoile, tout le temps, les gens, ils me détestent sans rien faire. Même si ils ont beaucoup plus que moi, disons, du côté finance ou bien peu importe ce qu'ils ont. Mais ils me jalousent pour rien du tout. Donc, je me suis vue dans tes vidéos et j'ai fait toutes les astuces. J'ai vu dans tes vidéos. Je ne te dis pas, allez, garde des jours. J'ai vu beaucoup de choses. Merci beaucoup, Tata. Merci. Mon histoire est très compliquée, même si je commence à t'expliquer ça. Ça va te prendre des jours et des jours et des semaines et des semaines. Je suis maman de deux grands garçons. Je suis divorcée depuis 2004. J'ai que les hommes qui sont bien, mais ils viennent, ils ne prennent pas, ils partent. À chaque fois, ils viennent, ils ne restent pas, ils partent. J'ai compris beaucoup de choses et que les papas de mes enfants, ils ont fait quelque chose, ça je le sais, ils avaient fait quelque chose, je vais parler ça en passé. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai suivi ta vidéo, que tous les magies qu'ils ont fait sur toi, avec l'arbre là de palme qui était tombé, donc tout est tombé. Donc, et je me sens bien même dans ma tête, bien dans ma peau. Donc les femmes, ils sont tellement jalouses de moi, même pas les femmes, les gens, ils sont jalouses de moi. Malgré tout, ils ont tous, ils ont beaucoup, mais ils sont tous jalouses de moi. Et il y a beaucoup de réclamations. Même si je ne fais rien du tout, les gens, ils peuvent créer une histoire et tout. Ils pouvaient créer une histoire à chaque fois. Mais Dieu est grand. Depuis que j'ai commencé à te suivre, je te les témoigne vraiment. Je te parle ça sincèrement. Je te le jure sur la tombe de mes deux parents. Vraiment, j'ai vu la main du Seigneur. J'ai vu la main de Dieu. Et je me suis lavé du sel seulement à l'instar de deux jours ici. Aujourd'hui, j'ai rêvé chez nous en Afrique, dans une maison comme ça, et qu'il y avait beaucoup d'étoiles d'araignées. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'il y a beaucoup d'étoiles d'araignées comme ça? Et j'ai commencé à enlever ça, et tout. J'ai dit, c'est pas normal. Il y a beaucoup d'étoiles d'araignées. Et j'ai commencé à enlever, Et j'ai arrangé un peu la maison là. Bon, c'est une longue histoire. Mais au moins, l'essentiel, c'est que Dieu m'a fait grâce, que tout est tombé. Là, je viens de vacances, avec tout ce que j'ai vécu là-bas, dans ces voyages-là, et je viens de rentrer maintenant. Inch'Allah, que Dieu fasse. Et je sais que Dieu va le faire. Il va me donner tout ce que j'ai besoin. Je continuerai avec du sel. J'ai fait faire tout ce qu'il faut et je vais faire mes salatas. Franchement, que Dieu m'aide, que tout aille bien pour moi et mes enfants. Et moi, vous savez, voilà une dame qui me suit depuis quelques jours. Elle s'est lavée le sel. Elle a fait un rêve où elle voit les toits d'araignée dans leur maison familiale au village. Et elle se voit en train d'enlever les toiles d'araignée. Je veux que vous compreniez que le spirituel est étrangement lié à tes rêves. Et je sais que vous aimez tous les trucs, on va vous dire que non, ça va coûter 4 millions. J'ai des gens qui viennent soir, oh, on m'a escroqué. Il m'a pris 4 millions pour le travail. Il m'a dit l'autre jour en Côte d'Ivoire qu'elle est partie dans une église, on lui a dit donne 2 millions 5 pour qu'on te délivre. Maintenant, mes livres, elle dit qu'elle a payé les 2 millions. Elle voulait aussi partir voir. Que, est-ce que je vais aussi tomber au sol? Je vais balancer comme ça, comme les gens, ils vont crier. Elle est partie, rien ne s'est passé. Elle me dit qu'en 4 mois que je regarde tes vidéos, j'ai appris à prier. Et le bâton de commandement, c'est là, une blague même pas. Il y a l'harmonie entre mon mari et moi. Elle dit qu'elle m'a même menti à son mari tout le temps avant. Elle avait les secrets de même 50 millions de francs CFA qu'elle a détourné de l'argent de son mari pour aller donner un escroc qui l'escroquait dehors. Il disait qu'il va travailler sur elle. J'enseigne très simple et je vous dis encore, je n'ai pas commencé mon cheminement maintenant. Je sais pas, c'est pas aujourd'hui qu'ai commencé ça, mais j'ai toujours eu la foi. Quand j'ai fait une étape, j'ai confiance que ça a retiré quelque chose. Demain, Dieu me montre l'autre, ça je pars, je fais, ça retire. Demain, Dieu me montre l'autre, je pars, je fais, ça retire. Demain, Dieu me montre l'autre, je pars, je fais, ça retire. Quand je parle d'effets cumulés, et parfois, c'est un peu comme si tu fais. Après un moment, tu as un grand saut. Tu as un saut quantique. C'est-à-dire, tu fais un truc, deux, trois. Après, tu fais, boum, tu montes. Après, ah, mais Seigneur, c'est parce qu'il veut te montrer. Il veut te montrer. Le maître spirituel, bonjour.
Je ne sais pas pourquoi vous êtes autant dans ma vidéo. Je ne sais pas. Lavez-vous avec le sel, non. Comme ça, les gens vont venir à vous. Un maître spirituel. Tu n'as pas besoin de dire que tu es grand maître. Lave-toi avec le sel. Et à chaque étape, parfois tu vas rester même quelques semaines, quelques jours, quelques mois, seulement avec la conviction dans ton cœur que quelque chose est en train d'arriver. Ce que je sais, parfois tu vas te sentir léger. Parfois tu vas rester comme ça, les idées vont être claires dans ta tête. Je dis que tu vas résoudre, tes idées seront, donc je sais que j'aurai l'argent. Tu commences un travail spirituel, ça, la nuit tu rêves, tu te vois avec Samuel Eto'o, après tu avais Beyoncé, après tu avais, l'autre m'a dit qu'elle était même avec le mari de Beyoncé, le père de l'enfant de Rihanna là. Après que tu as le père de l'enfant de Rihanna. J'ai dit ok. Dieu va passer par des petites choses. Et je sais qu'avant, vous aimez fonctionner avec... C'est où? C'est où alors? Ok, si j'aurai l'argent, c'est où? C'est où? C'est où? Merci la reine Chantal. Ça peut commencer par un petit rêve. Dans le rêve, tu vas te donner l'argent. Il y a même une là, elle me dit... Elle a fait un rêve. Oh là là, elle a l'oreille. Chaque jour, elle m'a volé. Si elle, a, si elle reste comme ça, l'oiseau vient à côté de sa fenêtre. Elle va m'écrire. Oh, voilà l'oiseau sur ma fenêtre. Oui, je sens que ses anciens sont en train de me parler. Tous ces petits trucs, elle me contacte pour me dire. Donc, elle me dit que... Elle a fait... Je ne sais pas si c'était le truc à l'eau. Hein. On a fait une offrande à l'eau. On a une offrande à l'eau qu'on doit faire aujourd'hui, normalement. Ça devait être, je crois, l'offrande à l'eau et le jeûne, quelque chose comme ça. Ou bien le lavage avec le donne-moi tout. Et elle demandait, on a jeûné mercredi, voilà, il y avait le jeûne de mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi qu'on a fait là. Elle dit donc que son, sa demande à Dieu, c'était que Dieu ouvre ses finances. Donc là, voilà, dans le rêve, elle se voit dans une salle avec beaucoup d'argent. Alors qu'elle a demandé dans sa prière de la journée, que dans le jeûne, Seigneur, ouvre mes finances. Elle se trouve dans une salle avec beaucoup d'argent. Tu vois déjà des salles où tu, quand tu es là-bas, tu sens que je ne serai plus jamais pauvre dans ma vie. Mais elle voit deux costauds de personnes à la porte qui l'empêchent de sortir avec l'argent. Je vous dis que vos rêves, et même si tu ne te rappelles pas de tes rêves, dans la journée, tu dois être assez sensible. Oh, je me rappelle de mes rêves. Tu peux ressentir ça, l'oiseau vient à ta fenêtre. Tu peux rester comme ça. Je vous ai donné un message toujours avec la feuille morte qui était dans ma main. Vous devez être sensible à l'esprit. Soyez sensible. Tu regardes un film. Tu tombes sur un film où il n'y a que l'argent, l'argent, l'argent. Quand tu es en train de regarder un film là, l'esprit te dit, voilà ta voiture dans quelques années. Voilà ta maison. Certes, dans le rêve, tu n'as pas capté. Mais voilà, apprenez à recevoir vos propres messages. Et peut-être le jour là, tu finis de regarder un film. Tu arrives le soir chez Zara. Ou bien tu arrives dans un magasin, tu achètes quelque chose. Le vendeur vient, il te donne deux fois plus, il te donne le cadeau même. Après, il dit, maman, madame, je vois trop d'argent sur toi. Dieu va utiliser les signes. Quand le vendeur te dit ça, il te donne. Sois vigilant, sois vigilant. Ah, j'ai vu dans le film le matin l'argent. Il vient aussi, il me dit, il me donne l'argent. Quelqu'un qui me devait 5 000 me renvoie mes 5 000. Certes, ce n'est pas 5 millions qu'on t'a donné. Mais mets les signes là ensemble. Donc, elle me dit qu'elle voit les deux géants là à la porte. Et les gens viennent vers elle pour la sortie de la salle. Et dans le rêve, on lui dit que ce sont les deux gens qui sont ici, les deux gens ici, qui t'empêchent toujours de venir prendre ton argent. Et c'est là que tu sors avec. Elle commence la bagarre avec eux. Elle dit qu'elle avait, elle porte l'argent. Après, elle les a lobés. Elle est sortie de la maison avec. Dès qu'elle arrive dehors, elle voit l'argent dans sa main. Elle-même se réveille, elle interprète son propre rêve. Elle me dit... C'est ça que vous aimez. Oui, je me suis vu dans le rêve avec beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi? Tu es bête. Je ne veux pas vous insulter ce matin. Elle me met l'interprète son rêve. Elle me dit que... Arène,
Dieu m'a montré comment mes finances ont été débloquées. Je sais que les deux démons qui m'empêchaient d'avoir mon argent, ils ont été vaincus. Tu vois sa conviction, non? Qu'est-ce qui va empêcher à l'enfant, la femme d'avoir son argent maintenant? Maintenant, quand c'est comme ça, tu as vu ça dans le rêve. Dans la journée, maintenant, tu restes. Donc, Dieu a libéré mes finances. Tu fais ton lavage avec le pipi. Je débloque mes finances. Je reçois mon argent. Et Seigneur, tout l'argent, le trésor que tu as prévu pour moi aussi, je reçois aujourd'hui. Toutes tes paroles dans la journée, dans la nuit, à n'importe quel moment, correspondent avec ce que Dieu a dit de toi et que Dieu t'a montré. Maintenant, Seigneur, montre-moi où est cet argent. Et comme c'est en train de venir, quels que soient les blocages qu'il y avait dessus, je viens enlever. J'enlève les blocages au nom de Jésus. Que ça vienne à moi facilement. Que je reçois. Je reçois. Tu peux manifester l'argent là, c'est dans 6 mois. Tu peux manifester, ça peut venir dans 4 mois. Ça peut venir dans 2 jours. Mais sachez que quand Dieu a déjà fait quelque chose, que ta bouche corresponde avec ça. Et je vous dis encore, si vous êtes encore au niveau où je vais vous convaincre, désabonnez-vous de ma page. Partez. Partez. Moi, je ne cherche pas la masse. Je ne cherche pas la masse. Je veux les gens qui sont... Parce qu'il y en a même parmi vous. Vous ne voulez pas que votre pouvoir s'active. Vous aimez la dépendance spirituelle. Pasteur, une parole pour moi. Pasteur. Une parole. Si tu fais 5 ans avant de parler avec le pasteur là. Hein? Oui, dis-moi mes choses. Je sais que ça ne vous plaît pas. Mais je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Est-ce que j'ai moi votre temps? L'effet cumulé, ça veut dire que tout ton travail spirituel. Il y a une. Oh, j'ai une de mes filles, elle arrive au Cameroun. Elle a toujours les témoignages terribles. Le riz, c'est l'abondance. Mamie Bidine, quelque chose là. Le riz dans ton rêve ou n'importe où, c'est l'abondance. Le riz, c'est l'abondance. Donc, interprète ton rêve toi-même. Et généralement, quand vous faites votre travail chez vous avant de venir me voir, quand tu arrives, même si ce n'était pas 2 secondes, tout ce que tu as demandé à la maison là, dès qu'elle me connecte à toi, je reçois seulement ta. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font 3 minutes à ma présence. Et elle a dit tout ce qui les concernait. Elle attrape ça, elle dit merci ma reine, amen. Elle part, bye. Elle dit ma bye. Elle me dit bye. Là, il y a personne qui vient. Elle est d'abord comme cela. Ma vie n'avance pas. Je lui fais un peu Je dis, suis tes larmes vite. Et suis tes larmes. Tu me fais l'émoji des larmes. Tu me fais l'émoji des larmes. Écoute, je vais te bloquer. Et suis ça vite. Tu es la première femme qui a souffert. Hein? Effet. Hier, j'ai resté une dame m'appelle. Elle vient me trouver ici là. Quand elle me voit physiquement, elle me montre ça là. Elle dit yeah. Conduire la voiture dans le rêve, c'est prendre le contrôle de ta vie. Ça veut dire que c'est toi-même qui contrôle ta vie maintenant. Ça veut dire que c'est toi-même. Parce que vous ne savez pas que vous êtes des gens télécommandés, téléguidés. Elle arrive ici, dès qu'elle me voit l'entrée comme ça, là, elle commence à pleurer. Mais ce n'était pas les larmes de... C'était genre les larmes, j'ai tellement écouté tes vidéos, j'ai tellement fait ce que tu dis que... Comme je te vois, je sens que ma situation va se débloquer. Et lui a dit 2 choses.
Elle avait apporté ses 20 000 pour acheter ses produits. Elle a pris. Je dis que va acheter le jus. Comme je vis qu'en face de l'eau là. Il dit, verse, j'ai parlé deux, trois mots, tac. J'ai dit que toi, même parle de ta part. Elle a parlé, tac. Il dit, pas, ta foi t'a sauvé. Je sais que cette femme-là va revenir dans quelque chose. Je sais, je ne doute pas. Après moi, c'est toujours moi. Il fait pas le club des femmes pleureuses. Club des femmes pleureuses pauvres. Ne dis pas que tu me connais. Tu arrives quelque part, on te bloque. Ne dis pas que tu me connais. Tu connais la reine Jocelyne? Donc tout le travail que vous avez commencé à faire jusqu'à maintenant, passer les choses qui se sont passées en vous. Premièrement, la lucidité spirituelle. Beaucoup d'entre vous, vous étiez dans des environnements que vous ne contrôliez pas. Vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'aviez pas le pouvoir. Tu dors la nuit comme ça, tu te réveilles le matin, tu es castaille. Tu veux déménager depuis 5 ans, tu n'arrives pas. N'arrive pas. Allô? Tu veux déménager, tu n'arrives pas. Regardez l'écouter. Je suis en train de gérer un business là. Premièrement, vous avez commencé à avoir le contrôle sur votre vie. Beaucoup d'entre vous, tu te levais, tu disais que je vais faire ça. Tu ne fais pas. Tu vas aller 2 semaines plus tard. Tu n'as pas fait pourquoi? Tu vois, je voulais faire, mais après, tu vois, il y a ce qu'on appelle willpower. Willpower. Willpower, c'est le désir, la volonté. Beaucoup d'entre vous, votre volonté ne vous appartenait plus. On avait affaibli votre volonté. Il y en a, vous n'aviez pas la consistance. Tu n'avais pas la consistance. Parce que vous pensez souvent que pour avoir l'argent, il faut... Non. Si on te donnait l'argent là maintenant, avec tout le paresse là, le sommeil que tu te tapes chaque jour, c'est que l'argent là n'allait même pas faire un mois dans ta main. Il fallait que Dieu travaille d'abord. Il te sort d'abord l'environnement là où tu étais. Il t'apprend à écouter sa voix. Il enlève tous les sangsues qu'on a mis sur toi là qui te suçaient ton énergie. Tu es ça tout d'un coup. Toute ta famille te laisse. Il fallait qu'il enlève les décepticons, les dragueurs ticons, les maris ticons, les femmes ticons, oncle ticon, papa ticon, maman ticon, tous ces gens qui étaient à côté de toi là. Ceux qui ne croyaient pas en toi, bien sûr. Et tu te retrouves à un moment où tu commences, okay, tu commences à recevoir. Donc tu restes comme ça, là, tu es sûr de ton futur. Tu te lèves le matin, c'est la chose naturelle, ça arrive, ben c'est là. Like, what you talking about? Certains d'entre vous, vous avez dû développer... Je vais vous dire 3, 4, 5 mois ici. Hein. Je vous parle des choses qui sont passées en vous.
Certains, vous avez appris à dire non. Vous avez appris à dire non. Vous aviez beaucoup. Avant, tu ne pouvais pas dire non. Tu passais ton temps. Certains, vous avez appris à fermer votre bouche. J'ai une fille. Elle est arrivée en Bengale l'autre jour. Dans sa famille, on l'avait toujours insulté. Toutes ses cousines, parfois, comment ses cousines se moquaient d'elle. Ouais, on croit qu'elle a mis une malédiction sur toi. Hein. Regarde-toi là-bas. Tu es dans la quarantaine. Voilà comment ses cousines se moquaient d'elle. Elle a fait ses papiers. L'opportunité est venue comme bien comme ça là. Après un lavage, un énième lavage. Chaque fois qu'on dit sacrifice à l'eau, même si c'est 5 000, elle envoie, elle dit que pardon, prononce quand même mon nom là-bas. Le tout, si elle n'a dit à personne. La veille de son départ, sa soeur, là, lui a fait des problèmes dans la famille. Les problèmes. Elle a ce conseil, dit que mince. Quand elle me raconte, je lui dis que mamie, tu es seulement folle ou tu es bête ou tu es quoi. Ce sont les gens que quand tu te débrouillais un peu, tu mettais le barbecue dehors, tu faisais le poisson brisé. À 45 ans, ils étaient contents. Regardez là, là-bas. Elle a fait les grandes écoles. Là, voilà, en train de faire le poisson brisé. Elle postait sur son statut, elle vend les chaussures à 2 500. Ils se moquaient de toi. Ils se moquaient de toi. Maintenant qu'il y a le visa dans ton passeport, tu as déjà le billet d'avion jusqu'à toi, tu es parti. Tu vois le vrai. Je lui ai dit que tu n'as pas encore commencé à voir. Tu vas voir. Donc, ce qu'elle a appris à faire, premièrement, elle a appris à fermer sa bouche. Parce que c'était elle. C'est que quand elle commençait la procédure, elle allait partir dire à tous les membres de sa famille, tous ses cousines. Tous ses cousines allaient savoir. C'est ça, Jacqueline a été faire son. Elle fait le visa, non? Après, on dit que Madame Jacqueline, votre passeport est expiré. Madame Jacqueline, on va sortir une cata sur son truc là. Voilà comment Jacqueline ne fait plus son visa. Elle arrive même en bain. Un jour, deux jours. Ah. Ce sont maintenant ses cousins qui sont en bain qui lui font les problèmes. Tu vois les chats de cousins qui sont toujours habitués. Quand tu es au pays, ils sont en bain. Ils t'appellent toujours. Ça va là-bas? Ça va? Ouais, je vais t'envoyer 50 euros là. Je vais t'envoyer 50 euros. Ouais, t'inquiète pas. Ça va aller. Ouais, Seigneur Jésus. Maintenant elle est arrivée en Bengave, elle est maintenant en Bengave. Tu vois un peu ce truc là. Dans la petite là, que ça fait 15 ans qu'elle est en Europe, elle vient me trouver. Et en plus on sait qu'elle a une étoile, on sait qu'elle est belle. Donc elle peut tomber sur un blanc ici là. Ha! Non, 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 non. C'est moi la pensée de ça dans leur tête. Aïe! Non, 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 non. Ça m'a dit que ma chérie, si tu es sage, quitte de chez eux. Ha. On peut tomber sur un gars de Monaco. Hein? Ne serait-ce que la pensée de ça. Donc, elle peut me retrouver ici en bain demain, c'est elle qui me dépanne. Non, 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 non. Il se réveille du cauchemar. Non, 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 pas elle quand même. Non. Pas Jacqueline. Non, 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 non. Écoutez, vous n'avez pas encore vu le visage. J'espère que ces choses, elle ne nous dit plus. On va voir, tu auras besoin de nous un jour. Écoutez, tu es là, non. Fais comme. Inspire, inspire, fais. Inspire, inspire.
Est-ce qu'un de tes cousins est venu mettre les dans tes poumons? Hein? Est-ce que je suis venu mettre. J'ai pris l'air, j'ai pompé dans ton nez. Vous aimez dépendre des gens, pourquoi? Inspire encore, inspire. Que tu inspires ou pas, même si tu ne fais pas ce qu'il dit, tu vas tout respirer, non. Tu vas inspirer, tu es en train d'inspirer. Voilà, tu inspires déjà. Regarde. Oh oh. Vous ne m'avez pas aidé. Oh my God. Vous ne m'avez pas aidé. Oh my God. Ouais, quand je vais arriver en Europe, je dois rester. Si ma tante ne me guide pas, je serai perdue. Ah, je vais faire comment? Non. Francis Ganou, je faisais des recherches sur lui. Et bien sûr, il a son histoire en ligne. Donc j'ai dû. Parce que j'enseigne souvent aux enfants avec son histoire. Et là, il y a quelque chose qui m'a marqué. Quand il est arrivé en Europe, il a vécu chez une tante ou une soeur ou bien quelqu'un. Il a vécu chez quelqu'un de sa famille. Un jour, la personne se réveille, le chasse de sa maison. Celui qui. J'étais un jour avec un collaborateur. On avait un business qu'on gérait ensemble. Donc, il m'a invité chez lui. Il me présente sa femme. Et après, il me raconte l'histoire de Francis Ganou. Il dit, tu sais, j'ai réussi à partir de l'Europe parce que, tout comme Francis Ganou, les gens de ma famille m'ont mis dehors. Je ne connais pas le titre de la vidéo là. J'ai tellement de vidéos en ligne. Donc, tu vas aller seulement chercher. Et il dit, il y a des gens dans ta vie qui te font du bien. Que si elle ne le poussait pas pour qu'il sorte de sa maison, il ou elle, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, ce qu'on n'aurait pas Francis Ganou d'aujourd'hui. Dans le tas, il a cherché. Il est tombé sur les gens qui l'ont aidé. Il est tombé sur d'autres qui l'ont trahi. Il est tombé plusieurs fois. Il a fait quoi? Oui. Parfois, quand tu quittes de l'environnement de ces personnes-là, et quand tu arrives quelque part, regarde toujours le plus riche ou bien celui qui atteint le plus grand des objectifs. Si tu le vois, il est peut-être docteur, supposons. Sache que le plafond que tu peux atteindre dans ce pays-là, c'est ce que la personne l'a fait. Donc, si tu aimes ce qu'il fait, tu peux écouter ce qu'il te dit. Mais n'oublie pas aussi cet effet de... C'est pas tout le monde qui va te dire je veux ton bien, qui veut ton bien. Il y en a que tu arrives en Europe, ils t'attendaient pour que tu sois la babysitter de leurs enfants. Tu dis que mais tata, moi j'ai 30 ans, je dois me chercher aussi, non? Je peux pas quand même rester à la maison pendant 5 ans pour garder des enfants. Pas même les cours du soir pour moi. Le genre quand tu rentres du boulot, je n'ai pas fait mes cours. Mais ne me dis pas que je reste 24 heures sur 24, je m'occupe de tes enfants. Donc vous devez aussi utiliser le discernement parce que beaucoup de ces personnes ne veulent pas votre bien. Naturellement, l'être humain cherche son intérêt. Même ton mari qui dit qu'il t'aime là, il cherche d'abord sa part. Même ta femme qui dit qu'elle t'aime. Voilà. Donc, soyez sage. Il y a une boussole à l'intérieur de vous qui vous donne la direction. Écoute cette personne. Arrête, n'écoute plus. Je vous dis toujours, quand votre saison va arriver et qu'on va vous dire de ne plus m'écouter, libérez la place. Parce que quand tu quittes comme ça, 10 personnes vont se connecter sur ma page le jour-là. Quand j'ai des personnes qui se retournent peut-être contre moi, des personnes que j'ai ouvert ma bouche, j'ai béni. Et les personnes ont dit Amen.
sont venus témoigner que oh, la reine Jocelyne a fait ceci, fait ceci. Quand c'est le temps pour toi de partir, je dis toujours, je suis consciente qu'il y a les étapes de la vie de chaque personne. Peut-être pendant une saison de ta vie, j'ai été ton niveau 2. Maintenant, tu sens que tu dois aller au niveau 5. Tu ta révérence et tu pars. Ne garde pas tout ce que tu as conçu sur le niveau 2. Parce que quand toi-même tu te retournes, tu parles mal de moi. Tu as en train de détruire ta fondation du niveau 2. Je vous dis. Tu vas arriver au 6 en ayant détruit le niveau 2. Tu vas, comment le niveau 6 va tenir? Donc, soyez très vigilants. Parce que certains d'entre vous, vous n'aimez pas quand on vous donne. Quand je sors tout ce que j'ai en moi, je vous donne. Vous n'aimez pas. Parce que ça tourne toujours au mépris. Et si elle me dit ça, si elle me donne tout ça là, vous savez dire que la familiarité n'est pas bonne. In no good. Quand ton moment arrive, même ta tata qui t'a accueilli là, tata vraiment merci, tu sais, mais je voudrais, j'ai envie de faire ça, je vais partir. Si tu es convaincu que c'est pour ton bien et qu'elle ne veut pas, respectueusement, tu lui dis au revoir. Séparez-vous toujours bien avec les gens. Toujours. Quelqu'un m'a fait quelque chose récemment. Je me suis dit, si c'est 40 millions que la personne m'a pris, je peux l'appeler. Je place une malédiction sur lui et sur ses enfants. J'étais à mes pensées. Hein. Et là, le Seigneur dit, j'écoute, après, il dit que non. Je ne vais pas quand même handicaper. Parce que je peux placer comme ça, là, il meurt même dans 2 semaines, n'oubliez pas. Après, il me dit que ses enfants sont devenus fous. Après, il me dit, non. Peut-être le laisse. Je sais que d'autres personnes vont se dire, mais non, tout l'argent là, non, comment? Chaque fois qu'une porte se ferme, tu es venu, tu m'as pris 50 millions. Je t'assure, comme tu parles, la porte de 150 millions en train de s'ouvrir. En fait, je veux même que tu sortes de ma vie. Just go. 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 C'est ça la maturité spirituelle. Et quand tu penses à la personne, tu ne penses pas genre... Non. Nassera, tu peux me parler en privé. 00237-693-50-22-66. Tu vas me payer avant de me parler. Tu as compris? 00237-693-50-22-66. 00237. 693-50-22-66. Tu dois me payer. Si tu n'as pas d'argent. Parce que j'ai rien maintenant. Pas te laver avec le sel. Écoute mes vidéos. Fais ce que j'ai dit. L'argent va commencer à entrer. Quand ça entre, si tu penses que tu vas encore me parler, tu viens. Si tu penses que tu es à bon, tu atteins ton niveau 6, tu pars. Tu as compris? Il ne stresse pas sur les clients. Si vous êtes client, si vous êtes enfant, si vous êtes collaborateur, je ne sais pas ce que vous êtes, mais il ne stresse pas sur vous. Voilà. Et je vous dis toujours que je suis là pour vous activer. Chaque chose que tu donnes, même si tu fais quelque chose pour quelqu'un dans son entreprise, il ne te paye pas. Dans 2, 3, 4 ans, tu restes comme ça, tu touches un petit business, là, pap, l'argent entre. Ah! Qu'est-ce que j'ai? Hey! Tu te rappelles il y a 4 ans, quand tu allais travailler dans l'entreprise, l'homme là, il t'a exploité. Il ne t'a pas payé. Hey! Payback time, girl! Payback, on t'a payé.
on t'a payé. Et derrière, mais tu m'entends? Bon, ceux qui m'ont fait l'offrande à l'eau, il y a l'offrande VIP. Celle-là, c'est 45 000, environ 70 euros. Il y a l'offrande collective. L'offrande collective, c'est 20 000 francs, 25 000. Tu donnes ce que tu veux, mais ce ne soit pas moins de 20 000. Tu donnes ce que tu veux. Voilà. La formation spirituelle par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez acheté vos outils. Dans le groupe de formation spirituelle qui commence, l'école de spiritualité, j'ai donné les outils que vous devez avoir. Il y a des chapeaux, il y a des bâtons, il y a des... Ayez vos outils spirituels. Très important. Et il y a aussi des questionnaires. Celui qui n'a pas encore répondu à ces questions, va dans le groupe, tu prends les questions, tu réponds. Parce qu'il ne veut pas courir derrière vous. Il ne veut pas donner le devoir. Je regarde après, t'appelles encore. Tu n'as pas fait. Tu sais, je devais aller parce qu'il y avait l'enterrement des jeunes filles de ma copine. Ah, ok. Voilà. On parle de votre vie qui est en train de changer. Votre revenu qui va changer. Plein de choses qui vont changer dans votre vie. Donc, soyez très vigilants. Le groupe de prière, vous devez écrire en inbox, on vous donne le lien. Écrivez sur le 00 200 36 655 31 0750 655 31 0750. You won't break my soul, you won't break my soul. I'm telling everybody, everybody, just lost my job. Souglou Sambé, si tu n'as pas reçu le questionnaire, c'est que tu n'es pas dans le groupe. Si tu n'es pas dans le groupe, c'est parce que tu n'as pas payé pour l'école de spiritualité. Very simple. Alright? Quand vous payez, on met dans le groupe. Quand vous intégrez le groupe, on vous donne le questionnaire. Ok? Voilà. Vous devez briller. Vous suivez, non? Suivez, croyez et obéissez. Votre intuition. T'as le même chapeau au cadeau de papa. Oh. Père ton âme, daddy. We bless you, daddy. We bless you, father. Father. Father of my sister. Father of my sister. It means that you are my father too. Father. Ça, c'est intéressant. Je devrais me trouver un truc comme ça. Yes. Sir. Yes. This is good. This is sweet. You know. Yeah. You just put it over your face like this. And you're like, hello, hi. Hi, can I help you? Okay, my name is Jocelyn. Yeah. I'm looking for direction. Oh, can you help me, please? Yeah. Merci beaucoup, la reine Nassira. Oui, je vous conseille de venir à Libreville, c'est mieux. Si vous voulez pouvoir venir pour un travail spirituel, venez à Libreville. Parce que j'ai des gens en Libreville
constamment. Donc même si je me déplace, Libreville, c'est plus sûr. Et j'ai rassemblé tout sur Libreville. You won't break my soul. You won't break my soul. I'm telling everybody. Ok, on est prête pour aller briller aujourd'hui. Ouais. Donc, when you see me, you know you haven't seen anybody like me before. Yes. I'm just so comfortable being me, you know. Je suis à l'aise dans ma peau. J'aime être moi. Ça, c'est un des trucs qui m'a toujours... que j'ai pris de Londres. Quand tu as atterri à Londres, tu fais, oh my God, elle a les cheveux roses. Oh, attends, il a le nez. Mais c'est quoi cette... Ouh. Les Jamaïcains vont te porter des trucs bizarres. C'est une sorte de free spirit, you know. Tu fais ce que tu veux. On s'en bat les cheveux. Et il est temps pour vous de vous libérer. Il est temps pour vous de vous libérer. Il y en a, mais vous avez peur d'avoir de l'argent. Tu as l'argent, tu as peur d'acheter ce que tu veux. Ain't it funny, you know? You got the money and you can't buy what you want because you're too scared. You're like, what are they gonna think? Ils vont dire que je veux trop montrer que j'ai l'argent. Et il y en a, vous n'avez pas l'argent, mais vous voulez montrer que vous... tu achètes le sac Chanel. Chanel bag. I got my Chanel bag, you know. I got my Burberry. Like, I don't need that. I don't need that. Like, why? Londres ne blague pas. Londres, c'est la chimamelu. J'aime beaucoup Londres. Souvent, quand je quittais de Paris, je suis comme ça là. Quand j'arrive à Londres, oh, I'm going to let my head down. Oh, I'm going to remove my hat. Oh my gosh. Let me breathe. Let me breathe. And I'm like, what are you doing? Mais je ne sais pas pourquoi je suis pas trop. Moi, les vêtements, c'est pas trop mon dada. J'aime bien acheter des objets d'art. Je mets à la maison. J'aime ça. J'aime les objets d'art. J'aime... Je sais pas. I don't... You know... Ce qui fait que... Et j'aime beaucoup les habits traditionnels. Donc, ça, c'est mon dada là-bas. Je vais t'acheter un habit traditionnel de 200 000. Mm-hmm. Je vais te claquer 200 000 pour un truc, pour un coat qu'on a fait avec des écorces d'arbres. Tu as dit, mais attends un peu, la fille, si. Ouais, ça, c'est mon truc là-bas. That's my thing. That's my dada. Bonjour, le roi James. Oh, tu veux payer ta dîme? Tu es dans quel pays, ma chérie? Si tu es au Cameroun, c'est Orange Money ou MTN Money. J'ai parfois des gens, ils me voient. J'entre. L'autre jour, je suis entrée dans une maison qui faisait. Ils avaient des trucs luxueux. Donc. Et j'étais sans confiance. J'étais à la plage. J'étais moi-même sans confiance. Donc, j'entre. J'avais mon truc Bamindala sur moi. Bonjour. Elle me regarde. Je fais, ok, pas de soucis. De toutes les façons, c'est pas vous que je viens regarder. Je viens regarder ce qu'on a mis dans votre magasin. Donc, je marche, je regarde. Et par contre, il y avait une blanche à la caisse de l'autre côté. Vous savez, les blancs ne sont pas ceux parmi vous qui sont en Europe. Ok, MTN Money, c'est le 680. Tu le fais au 680.
Attendez, je parle d'abord d'argent, hein, avant de vivre. J'ai besoin d'abord l'argent de la dîme là. 00237 680 71 07 01. Et le nom, c'est Jocelyne. Il faut pas aller envoyer au grand maître Abitou. Ou le grand maître qui là-haut, Amadou. Voilà. Donc j'arrive, je prends deux, trois trucs. Je vais à la caisse de la Blanche. La Blanche, non, elle devait être italienne peut-être. Franchement, dès qu'elle me voit, pas de genre, ok madame, elle me traite comme tout autre client. Je sais que vous avez souvent des gens qui aiment bien. Tu arrives, tu as un sac Chanel. En fait, j'aime pas ça. Quand je suis arrivée au Cameroun, on a voulu me faire ça. J'ai dit non. Je préfère que c'est à ma sortie. Tu vois la voiture dans laquelle j'entre. Tu vois le chauffeur qui vient m'ouvrir la voiture, la portière. Ou bien encore, tu vois la somme que j'ai dépensée dans votre magasin. Mais. Parfois, je peux entrer comme ça. Je prends un petit truc. Tout petit comme ça. Elle dit 50 000. Je dis, il n'y a pas de souci. Elle voit que la femme s'y dépense la moitié de mon salaire. C'est une tasse. Ah ouais. Là, ça, c'est mon dada là-bas. J'aime bien ça. J'aime ça parce que je trouve que ma maison me satisfait plus. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je sais que on ne verra même pas ma maison. Heureusement pour vous, je pense. Hier, je vous ai donné un peu une visite de cette. J'ai plusieurs maisons, donc celle-ci. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. J'ai enlevé la vidéo après. J'étais très très careful. J'ai enlevé la vidéo après. Donc il n'y a que ceux qui étaient dans le direct qui ont vu ma maison. Parce que je pense que la vraie richesse, c'est celle que tu n'as pas besoin de montrer aux gens. Quand tu vas arriver au niveau où tu n'auras pas besoin, regardez, je suis en sans confiance. Vous voyez? C'est ce que je dois faire. Je dois aller dans un endroit administratif tout à l'heure que je ne vais même pas porter ça. J'aime bien mes claquettes. Je porte ça, mes tapettes et puis ça me va. Quand tu vas arriver au niveau où tu n'auras pas besoin forcément, oh, il faut que je... You know, c'est là que tu sauras que ton âme est en train d'être restaurée. Parce que c'est ça le problème de l'homme africain. L'homme africain a besoin de qu'on le voie. Et quand on ne te voit pas, ça te gêne, ça te frustre. J'ai une de mes... J'ai une de mes maisons qui a beaucoup de vêtements chic et mes sacs chic, tout ça est là-bas. Et il y a des moments où je passe parfois un mois, je ne suis pas là-bas. Et pendant tout ce mois-là, je vais porter mes vêtements traditionnels et je suis à l'aise comme ça. Je sais pas pourquoi, mais bon, you know. So please don't blame me. Please don't stress me. Je me rappelle quand je viens d'arriver au pays. Un jour, un de mes petits vient. Hé, ma mère. On m'appelait pas encore Marine le temps là. C'est en 2019. Tu sais, une femme de ton standing, tu ne dois pas. Parfois, tu me vois au carrefour. Au fouille, je suis assise à côté de la femme qui fait le maïs prune. J'achète ma prune, je mange. Après qu'on voit l'immeuble dans lequel je peux entrer. Il dit non, avec le standing que tu es, non, tu ne dois pas. Et je dis pardon, monsieur. Leave me alone. Leave me. Je ne vais pas aller. I don't need that. Parce qu'au Cameroun, les gens aiment ça. Quand tu gardes la voiture. Oui, toi là-bas. Toi. Va m'acheter ça. On faisait avant ça là. Quand tu gardes la voiture, ils sont là. Hé, tu as vu la femme là. La prospérité commence dans ton âme. Your soul has to be prosperous. Je n'appelle même pas ça humilité. J'appelle ça not giving a fuck. Ok? I don't give a fuck. Je n'ai jamais souri dans une de mes vidéos. Mais je crois que le mot est bien placé. I don't care. I don't give a fuck what you think, man. Parce que quand tu veux toujours vouloir plaire aux gens, sans le savoir, tu vas venir
Et tu vas voir que quand tu sors dans un moment de ta vie où tu... Les gens savent lire dans les gens. Les gens avec lesquels tu as voulu faire business depuis longtemps. Oh, je veux faire business avec les milliardaires. Bizarrement, tu vas attirer ces personnes. Et ce qui va les attirer chez toi, ce sera ta sim. Je n'ai même pas appelé ça simplicité. Mais ton nom, non, not giving a fucking. J'invente des mots. Ok. Ton attitude de I don't care, tu vois. Si tu ne payes pas le loyer dans ma tête, tu ne restes pas. You don't pay the rent in there. Pourquoi est-ce que je vais penser à toi? Pourquoi est-ce que je vais me marier pour te faire plaisir, papa ou maman ou bien tantine? Pourquoi je vais... Il y a une de mes filles, voilà, je voulais raconter son histoire tout à l'heure. Elle a traversé vraiment beaucoup de trucs spirituels. Elle s'est libérée. Et elle arrive au pays l'autre jour pour découvrir que sa mère a acheté son terrain. Donc ta fille t'envoie l'argent, achète mon terrain, maman. Tu achètes, tu mets à ton nom, toi la mère. Et maintenant, ses frères veulent arracher le terrain parce que c'est au nom de la mère. Oh, sorcellerie. Je lui ai dit que c'était le ultimate trip. Eugénie, je vois ça au Gabon, non? Même quand je venais d'arriver ici, j'ai vu ça. Mais je suis like, I don't care. Like. Vous devez ne pas faire la différence. Vous ne devez pas vous laisser influencer par l'environnement. Sinon, tu auras ton argent. Au lieu d'investir pour faire un business, tu vas aller prendre la grosse voiture immédiatement. Alors que tu aurais pu investir ça et ça te rapporte un autre argent que tu investis. Après, ça te rapporte. C'est maintenant la troisième génération de l'argent que tu peux prendre la voiture. Et toi, voilà, tu première génération, l'enfant de ton argent, tu peux prendre la voiture avec. Donc, soyez sage. Donc, quand elle a découvert que sa mère avait mis le terrain au nom de sa propre mère à elle-même, et elle voyait comment ses frères se chamaillaient pour le terrain, elle leur dit que vous savez que le terrain est à mon nom. Je dis que tu as compris maintenant, non? N'est-ce pas? D'accord. Porte maintenant tes pieds. Comme tu as de rentrer en bain. C'est une place. Arrête de chercher à plaire. Ta mère, ah, ma fille, tu l'as construit ici. Depuis 5 ans, tu es là, tu économises pour. Tu envoies l'argent qu'on construit depuis. Ce n'est même pas ton terrain que tu as construit, ta maison que tu as construit. Je vais faire plaisir à ma mère. Il faut quand même que ma mère soit. Tu as fait plaisir, non? Tu es content maintenant. Ta mère, c'est ta mère préférée, mais tu n'es pas son enfant préféré. Seigneur Jésus. Today is gonna be a beautiful day. Yeah, I'm gonna shine everywhere I go. Everything I touch will turn into gold. Yeah, everyone that will see me, they will like me. Yeah, yeah, I know I'm beautiful. Yeah, I know. Oh, you like me hair? You like me skin? Oh, thank you. Thank you. Thank you, Milad. Thank you. Je suis pas seule dans ma tête. Eh. Je suis pas seule dans ma tête. Je crois que vous savez déjà ça. Excuse my French, but I'm a long speaker. Bon, j'ai assez toussé devant vous. C'est assez embarrassant pour moi. Mais je m'en fous. Je suis malade. Allez prendre un bain de soleil pendant 10 minutes, s'il vous plaît. On appelle ça sunbath. You need sunbath. Ok? Go and bathe yourself into the sun. Let the rays come on your skin. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, allez vous mettre sous le soleil pendant 10 minutes. Laissez le soleil frapper sur votre peau. Vous laissez que ça brille. Vous voyez comment, regardez comment ma peau brille au soleil. Mettez des déclarations, faites des déclarations.
suis belle, je suis intelligente. Quand on dit amen en anglais, comment est-ce? Nina, toi là, tu es folle. Oh my God. You are, you the crazy. Want to wahala me? Aimez-vous aujourd'hui, pardon. Aimez votre peau. Mettez de la vaseline sur votre peau. J'ai mis beaucoup de vaseline ce matin. J'ai fait un petit masque le matin. Après, j'ai mis de la vaseline. Yep. D'ailleurs, moi, ce sera doux. Et buvez beaucoup d'eau. Hydrate yourself. Laissez votre doigt là comme ça. Là. Allez, va te mettre sous la pluie. Je vous ai dit que vous devez avoir plusieurs maisons dans plusieurs pays. Quand ça doit la faire comme ça, tu quittes doit la même pendant 3 mois. Je n'ai pas toi sur ça. Je n'ai pas vu. Voilà, je suis à Libreville. Il ne pleut pas. Depuis au moins 1 mois et demi, il n'a pas vu une goutte de pluie à Libreville. Voilà le soleil. Il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid. Il y a du soleil, il ne pleut pas. Quand il va commencer à pleuvoir ici là, les Libreviliens, peut-être que vous n'avez pas me voir. Bello, tu sors d'où? Ouf, ma hein? Ah, j'aime la vie, j'aime la vie, j'aime la vie, j'aime la vie. Donc, je vous envoie de la lumière aujourd'hui. Fermez les yeux. Je vous envoie de la lumière. Je vous envoie de la lumière pure. Je vous bénis. I bless you with pure love. Je vous bénis avec de l'amour pur. Je viens enlever toute noisseur dans votre cœur. Toute inquiétude. J'enlève les douleurs dans vos genoux. Quand tu stresses beaucoup, tes genoux te font mal. Il faut masser tes genoux. Mets la main sur le genou à l'instant. Tu masses de façon circulaire comme ça. Je bénis vos genoux. Je vous bénis. Masse de façon circulaire. Je viens bénir tes pieds. Je bénis ton corps. J'enlève toute douleur dans tes articulations. Inspirez, inspirez. Expirez par la bouche. On a fait la méditation vendredi. J'ai beaucoup aimé. Moi, ça m'a envoyé au ciel. Merci Félicienne. Moi aussi, je t'aime. Bello. Takanung, takanung. Donc, touchez votre... Il y en a qui vous avez mal au dos. Touchez le dos, s'il vous plaît. Donc, je demande à vos anges, je commande à vos anges de toucher votre main. Et j'utilise votre main comme point de contact pour éradier toute douleur de votre corps. J'asperge de la lumière pure sur votre... sur les douleurs que vous avez eues. Alors, on va inspirer. Quand vous allez inspirer cette fois-ci, vous allez inspirer de la lumière. Vous allez voir, ça va remplir vos bras, vos avant-bras, vos genoux. Ok? Allons-y à nouveau. On inspire. Remplissons. Oh, this is good. This is good. Et on sourit. Et quand vous allez expirer, vous allez laisser tout le stress sortir. Allez-y. Expirez. J'enlève toute noisseur de votre cœur. Toute flèche de l'ennemi plantée dans votre cœur, je la retire maintenant. Je mets de la joie pure en vous. Waouh! Je sens comme quelqu'un a envie de crier de joie là. Vas-y, fais. I feel good. Oh my God, oh my God, j'ai envie de danser. Dansez, dansez. Mettez de la musique après ceci, vous dansez. Bon, mon contact privé est sur la vidéo là-bas, ok? 00237-693-50-22-66. Attrapez. Mettez sur vos joues. Mettez. Je bénis votre journée. Bye.
Mais repartez dormir ici, ça vous dit. Hein. Vous allez voir des choses dans votre rêve. On est en train de tirer sur vous. Bon, l'offrande à l'eau va se faire tout à l'heure, ok? Par la grâce de Dieu.